Bonjour à tous. Impressionnant à ce niveau dernièrement dans le prix de Dozulé, le numéro 9 Jewel de Banville s'est contenté de contrôler la course, gagnant totalement déclassé. Revenir sur un 2175 mètres où il s'était imposé en avril 2022 ne sera pas un souci. Même en étant le seul compétiteur à rester encore ferré dans cette épreuve, il est de nouveau capable de mener sa tâche à bien. Derrière, on va tenter le numéro 6 Jasmine Montreux qui brille aussi bien par son talent que par ses travers. En effet, ce fils d'Hakim du Cap-Vert compte 4 victoires, 3 accessites, mais également 8 disqualifications depuis le début de sa carrière. Il avait bien gagné sur ce parcours fin décembre dans le prix de Pavilly. Il s'est montré appliqué dernièrement dans le Dozulé pour s'octroyer une probante 3e place. Piloté en confiance par la présidente Nathalie Henry, difficile de ne pas lui faire confiance. Maintenant, c'est à vous de jouer et on se retrouve tout de suite pour un nouveau Côté Côte dans la 7e.